Bonjour, bonjour. Donc, hier, j'ai commencé à enseigner sur la prière et je vous ai donné l'importance de. Je vous ai donné l'importance de ne pas prier au hasard. Donc je vais vous donner quelques clés pour le jeûne que nous allons faire aujourd'hui. Parce que je vous ai dit que le but, c'est que vous ne soyez plus contrôlé, mais que ce soit vous qui contrôlez votre vie. Ta prière doit t'obséder. Donc tu dois être envahi par ta prière. Tu dois penser tellement à ce que tu demandes que en journée, quand tu restes dans ton esprit, tu ne fais qu'entendre la voix de ta prière. Beaucoup de personnes, quand vous finissez de prier, ce que vous dites après ne correspond pas. Ce que vous faites après ne correspond pas. Après, vous vous plaignez que c'est comme si Dieu n'a pas écouté ma prière. Donc, je vais vous donner des raisons pour lesquelles votre prière ne marche pas. La première raison, tu ne sais même pas. Bonjour la reine Solange. Première raison, tu ne sais même pas quoi demander. Donc, tu laisses le soin à quelqu'un d'autre qui n'existe même pas. Prier, c'est comme si tu partais au magasin et tu dois choisir. On te dit que oui, c'est vrai que tu peux avoir tout ce que tu veux. En dans le magasin, on peut te donner tout ce que tu veux. Si tu vas dans un rayon, tu prends quatre différents types de pain. Au moment de manger, tu seras confus. Parce que tu as quatre marques de pain sur la table. Certes, ce n'est pas toi qui as payé, c'est payé à payer. Et c'est ce qui dérange beaucoup. De chrétiens. Donc, prenez le soin de vous. La partie la plus importante de votre prière, c'est de déterminer ce que vous voulez. Et c'est la plus difficile d'ailleurs. La deuxième raison pour laquelle votre prière ne marche pas, c'est que vous demandez, vous ne persistez pas assez longtemps. Tu demandes, après tu parles, ah oui, je veux plus de ça. Ah, mais je veux plutôt ça. Ah. Non, je veux l'autre aussi. Non, je veux le premier, là, le premier qu'elle voulait. Vous n'avez pas un focus de laser. Le laser arrive à couper parce que c'est plein d'énergie d'électrons qu'on a focalisé sur un petit endroit. C'est pour ça que ça peut couper n'importe quoi. Vous n'avez pas besoin d'avoir une liste qui a 70 points de prière. Ce dont vous avez besoin, d'être spécifique, de demander avec instance.
Demandez avec instance. Une autre raison pour laquelle votre prière ne marche pas, c'est que vous ne savez même pas à quoi vous avez droit. Bonjour le roi Fouillette. Bonjour la reine Léo. Solange, bonjour. Donc, tu ne sais même pas à quoi tu as droit. Tu arrives dans une ville, comme tu marchais avec les clochards. Les clochards sont partis au restaurant des clochards. Ils arrivent là-bas, ils commandent la nourriture, ils se servent. Tu te dis aussi, ah, comme j'avais les clochards, peut-être que moi je suis clochard. Dans le resto des clochards, tu ne vas jamais trouver le caviar. Tu ne vas jamais voir une Bentley, quelqu'un qui a gardé une Bentley, il est sorti pour aller prendre de l'assistance sociale. Bonjour Laure, merci pour le liqueur. Laure, qu'est-ce qui s'est passé avec toi? Tu as seulement disparu. Voilà les représentants, vous disparaissez souvent. Qu'est-ce qui se passe? Tu dois connaître à quoi tu as droit. Et je vous assure que toutes ces choses-ci, c'est votre devoir. Ce n'est pas quelqu'un qui va venir dire, quand on va t'arrêter en route, oh, je vois sur toi, j'ai une vision. Je vois que tu as droit à posséder au moins ces 5 immeubles dans cette ville. C'est pour ça que beaucoup de chrétiens prient. Et après, tout le monde est plus grand que dans la ville. Les Libanais vont venir, les Chinois vont venir. Tout le monde va venir, va vous dépasser. Quand je vois quelqu'un qui veut m'enseigner comment on lit la Bible, je ris. Je ris et je m'assois, je l'écoute. Je dis, ok, peut-être ta part, je vais prendre ta part. Deux, si tu connais deux, je connais 10. Je prends tes deux, je mets sur ma part. J'ai 12 à la fin. Tu as toujours 2. Quand on va prier tout à l'heure, je veux, avant la prière, je veux que... Vous savez, l'humilité chrétienne a fait que les chrétiens n'osent pas mettre dans leur prière « Je veux la somme de 500 millions d'ici 6 mois. » Le chrétien ne va jamais demander l'argent dans sa prière. Encore moins. Être exact sur la somme, ça veut dire « Ah, tu es qui pour croire que tu vas demander une somme exacte à Dieu? Hmm? Tu crois que tu es qui? Jusqu'à tu viens, tu dis que tu veux... Vous seriez surpris de voir que vous obtenez ce que vous demandez. Et je me dis toujours, de toutes les façons, au pire des cas, je n'obtiendrai pas ma requête de prière. Mais supposons que j'obtiens ma requête de prière. Supposons. Si je ne l'obtiens pas, je ne perds rien. Ce n'est pas comme si en faisant la prière, je suis allé investir 500 millions dans un business. Je ne cours que le risque d'émettre mes idées et mes demandes et d'espérer. Bonjour le roi Michel ou la reine Michel. La reine Sidonie, bonjour. La reine Annette, bonjour. Quatrième raison pour laquelle vos prières souvent ne sont pas répondues. Quand vous priez, vous ne croyez pas que vous allez obtenir ce que vous voulez. L'autre, c'est moi-même, je suis victime. Coupable même. Tu pries, après tu dis, ah! Seigneur, qu'il pleuve aujourd'hui. Seigneur, qu'il pleuve. En sortant, un esprit te dit, prends le parapluie. Ah, non, non. Va prendre le local. Va louer un local avec l'argent que tu as là. Seigneur, donne-moi le business.
Seigneur, donne-moi le business. Seigneur, donne-moi le business. Je dois ouvrir un business. Loue un local. Ah, je vais prendre l'argent où? Je loue mon d'abord pour faire quoi? Tant que quelqu'un ne me donne pas 25 millions de fonds de commerce, moi, il ne fait rien. Voilà les choses qui vous bloquent. Ma prière, c'est que ce que je suis en train de vous dire là, ça c'est la clé de votre vie. Ça c'est la clé de votre vie. Voilà la raison pour laquelle vous échouez depuis. Tu restes, tu tournes en rond. Tu tournes en rond. Ta vie n'avance pas. Parce que si on vient te demander là maintenant, quand tu es dans ta chambre, tu veux quoi? Mais bénis-moi, Seigneur. Bénis-moi. La prière, c'est une pensée qu'on émet, un vœu qu'on formule. Ne tenant pas compte des situations extérieures. Je vais écrire ça parce que là, c'est très deep. Ne tenant pas compte des situations extérieures, contraires ou inexistantes. Et qu'on déclare. De façon courageuse. Au moins une personne doit entendre ta prière. Donc on déclare aux oreilles du monde. En étant sûr. Que l'objet de notre désir ou projet va sûrement se réaliser. Nous poussant à ajuster notre quotidien comme si cette requête était en cours d'exécution ou déjà exécutée. Je vais répéter ce que je viens de vous dire. La prière, c'est une pensée qu'on émet, un vœu qu'on formule de façon audible. Ne tenant pas compte des situations extérieures, contraires ou inexistantes, et qu'on déclare de façon courageuse aux oreilles du monde, en étant sûr que l'objet de notre désir ou notre projet va sûrement se réaliser. Nous poussons donc à ajuster notre quotidien comme si cette requête était en cours d'exécution ou déjà exécutée.
Vous devez. La prière ne tient pas compte de ta religion. Il y a des bouddhistes, des musulmans, qui maîtrisent l'art de la prière. Et qui sont vos patrons. Et qui vont toujours vous dominer. Jusqu'à ce que vous mouriez et que eux-mêmes meurent. Leurs enfants vont venir vous dominer. Il est temps que vous compreniez comment l'affaire fonctionne. Hier, j'étais en train d'aménager un de mes locaux. J'ai pris le local depuis 6 semaines. J'avais d'autres endroits, j'avais d'autres travaux que je faisais. Du coup, on peut dire que je n'ai pas poussé les choses pour que le local avance. Donc, avant-hier soir, ayant reçu des instructions claires, dimanche, j'ai reçu des instructions claires sur ce que je devais faire dans le local. Lundi soir, j'ai décidé, j'ai émis la prière. J'ai formulé le vœu. J'ai dit à mes collaborateurs. Je n'ai pas tenu compte des situations extérieures, c'est-à-dire du fait que l'endroit n'était pas encore aménagé, du fait que dans cette ville, peut-être personne ne me connaît encore. Et j'ai déclaré de façon courageuse aux oreilles de mes collaborateurs, en étant sûr que l'objet de mon désir, que mon projet allait sûrement se réaliser. Et ça m'a poussé à ajuster mon quotidien hier. Comme si cette requête était déjà exécutée. Hier soir, quand je mets tout dans le local, je regarde comme ça là et je dis waouh. J'ai tapé, j'ai touché dans. I tap into something. J'ai touché une puissance en moi. Hier, cet endroit était vide. Aujourd'hui, je me suis levé le matin et j'ai dit que ça doit être aménagé aujourd'hui. Quand mon collaborateur disait que non, on ne peut pas livrer aujourd'hui, on peut livrer, il dit que ça aujourd'hui. Finalement, à 19h37, tout est dans le local. Je me mets debout, je regarde. Et les sous de ce local-là sont venus hier. Entre lundi de la nuit où j'ai décidé et mardi 10h où j'ai lancé, j'ai dit faites comme ça, faites comme ça, faites comme ça. J'ai commandé chez 3 personnes. Le meublage, la décoration et les appareils. Tout était là à 17h. Ils ont monté, fixé sur les murs, fait ceci, fait ça, pas 19h37. La prière, ce n'est pas un moment où tu vas t'asseoir, tu pries, tu pleures, tu parles, oh Seigneur. Tu finis, tu te lèves. Ce que tu as fait là-bas, si tu oublies ça dans la journée, tu vas te buter dans la vie. Écoutez, hein, je vous ai dit que ma page, c'est là. Je vais vous former. Quand tu seras multimilliardaire demain, en train d'augmenter encore, après les milliards, je ne sais pas, tu seras trillionnaire demain. Tu vas dire, yeah. Donc l'affaire a été comme ça. Pourquoi quand j'étais petite, on ne m'a pas expliqué? Pourquoi quand j'étais petite, on ne m'a pas expliqué ça? Regardez les enfants des Juifs. Regardez. Quand moi je vois des gens qui réussissent, qui ont l'argent, moi je les observe beaucoup. Et il y a quelque chose que les gens s'y font qu'ils ne veulent pas.
Juste une petite parenthèse. Vous allez voir que ces personnes introduisent rapidement leurs enfants dans le business. Ces personnes n'ont pas peur d'aller dans un pays où ils ne connaissent personne. L'autre jour, j'arrive dans un magasin. C'était un magasin de Libanais. Le monsieur commence à me dire, ah mon caca. Je le regarde, je dis, mais t'es un peu. On est au Gabon, tu me parles le Badjoum. Il parle le Baganté. Hafiza, je dis, hey. Il dit, non, je suis allé faire, j'ai fait des affaires au Cameroun. Qu'est-ce qui va pousser un homme à quitter son pays avec toutes les superstitions qu'on peut connaître en Afrique? Aller dans un autre pays, ne pas avoir peur des sorciers, peu importe. Ouvrir un business. Toi qui es né dans le pays, tu n'as pas, tu viens acheter chez lui. Voilà les questions que vous devez vous poser. Pourquoi tous vos bailleurs sont les Libanais? Ils ont quelque chose qui font que vous ne faites pas. Observez-les. Observez-les. Tu vois la mentalité du Camerounais. Je n'ai pas. Personne ne m'aide. On te propose seulement que quitte du Cameroun, va dans tel pays, fais un petit truc. Car on m'a dit que là-bas, ils pratiquent jusqu'à. Hey. Car on m'a dit, hey, non, 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 non. Voilà tes propres blocages. Vends tes produits dans telle autre ville, non. Ouvre même deux boutiques à Douala, non. Hey, ma, qui va acheter? Qui va acheter? Voilà le Liban. Écoutez, hein. Allez dans les Maïmas, non, au Cameroun, Maïma. Les Maïmas, là, vous voyez, c'est pour qui? C'est pour les qui? C'est pour un Camerounais. Voyez la prière comme une mère qui se lève le matin. Elle décide qu'elle va préparer le couscous sauce gombo. Comment se lève comme ça? Maman, tu pars où? Je pars au marché. Fais quoi? Acheter les condiments pour préparer le couscous sauce gombo. Elle est en train de dire et elle n'a pas fait. Elle arrive au marché. L'argent qu'elle a dans sa poche, elle dépense ça sur la nourriture qui va aller pour faire le couscous sauce gombo. Quand tu as prié, ce que tu fais avec ton temps, ton énergie, ton argent, ça doit aller dans le sens de ce que tu viens de demander. Si ce n'est pas le cas, tu es en train de te tromper seul. Tu es dans ton film seul. Commentez là-bas, vous me dites que j'ai compris. Si vous êtes sceptique comme vous êtes un des jaloux là, ne commentez pas. C'est que vous vous cachez sur ma page. J'aurais tellement souhaité qu'on m'explique ces choses-ci. Quand je partais à l'église, quand j'avais 22, 23 ans, c'est ce que je voulais qu'on me dise à l'église. Viens évangéliser. Viens balayer le sol. Viens au service du dimanche. Tu finis tout ça ta vie d'avant. Tu dis, mais viens. C'est quoi, Seigneur? Pourquoi mes choses n'avancent pas? Parce qu'on ne t'a pas montré comment prendre le taureau par les cornes pour faire que tes choses avancent. Annette Safak, je te bénis. Ama. Ange, Mado, je te bénis. Sandra William, je te bénis. Je déclare que comme vous avez écrit, que vous avez compris, à partir d'aujourd'hui, vous devenez une nouvelle personne. Même le fan club de Guy Divi Academy là. Vous devenez une nouvelle personne. Quand vous ouvrez la bouche pour parler dans la prière, vous commandez des puissances qui se mettent à votre service. Et qu'à partir d'aujourd'hui, tout ce que vous demandez vous est accordé. J'enlève le doute de votre esprit. Jésus disait dans Marc chapitre 11, versets 23 et 24. Si tu crois,
Tu dis à la montagne que montagne, lève-toi. Va te jeter là-bas. La montagne dit, hé, la reine Jocelyne a parlé. La montagne sort ses pieds. Ça fait vraiment... Ça arrive à l'endroit. C'est ici, Jocelyne. Oui, oui, non. Attends, pousse-toi encore. Voilà. C'est ici, oui. À sa fesse. L'enseignement, ce que je vous donne, vous devez l'écouter au moins 3 fois. Ce que je suis en train de vous dire là, c'est très profond. Je ne m'attends pas à ce que tout le monde comprenne ce que je suis en train de dire. Donc, avant qu'on lance la prière, on lance la prière à 6h05. Donc, il y a le lien du groupe de prière là-bas. Entrez dans le groupe vous-même. Si vous n'y arrivez pas, vous écrivez, là, on va vous mettre dans le groupe. Donc, on va faire la prière à partir en 5 minutes. Sur Zoom, mais ça ne sera pas sur Facebook. J'ai été guidée pour enseigner, pour donner cet enseignement. Donc, vous passez une très, très bonne journée. Partagez la vidéo. Et puis, vous pouvez aussi mettre un cœur. Merci la reine Annette. Étoile filante, bonjour.